wishing that you can try to grant the rights you might by what you might desire. And the good advice coming, you can try to see that profile, you can try. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Nous sommes au verset 8, au début. Ok. Page 58, deuxième chapitre du premier chant. Les étapes dans le service de dévotion. Verset numéro 8. Dharma svanushtita pumsam. Dharma svanushtita pumsam. Vishvakshina katasuya. Vishvakshina katasuya. Nutpadayet yadiratim. Nutpadayet yadiratim. Shrama evahi kevalam. Shrama evahi kevalam. Quelqu'un veut répéter? Dharma svanushtita pumsam. Dharma svanushtita pumsam. Vishvakshena katasuya. Vishvakshena katasuya. Natpadhaye jatiratim. Natpadhaye jatiratim. Shrama eva hi kevala. Shrama eva hi kevala. Dharma svanushtita pumsam. Vishvakshena katha suyam. Nutpadayet yadiratim. Shrama eva hi kevalam. Un devoir prescrit, même bien et strictement accompli, dans le cadre du Varnashram Dharma, la société religieuse, qu'il ne génère pas l'amour pour l'écoute et les gloires transcendantales du Seigneur Krishna, est simplement un effort inutile. Commentaire. Srila Vishvanatha Chakravarti Thakur dit : pourquoi le Dharma, les devoirs religieux, accomplis dans une société religieuse, Varnashram, n'est-il pas considéré comme étant la suprême occupation de l'âme? Pour comprendre cette question, il nous faut d'abord savoir ce qu'est une société religieuse ou le Varnashram Dharma. À l'époque védique, la société était organisée selon les systèmes du Varnashram Dharma. C'est-à-dire divisée en quatre Varnas, les groupes sociaux, qui étaient les Brahmanas, les sages et les érudits, les Kshatriyas, administrateurs et protecteurs, les Vaishyas, agriculteurs et commerçants, et les Shudras, ouvriers et artisans, et les artistes. Elle était également divisée en quatre ashrams qui formaient quatre étapes de la vie. Ces étapes étaient le Brahmacharya ashram, les célibataires, le Grihastha ashram, ceux qui étaient engagés dans la vie de famille, le Vanaprastha ashram, ceux qui se détachent, cherchent progressivement des liens familiaux, et le Sannyasi Ashram, les renonçants qui avaient quitté la vie mondaine pour embrasser totalement la vie spirituelle. Dans l'âge passé, le Dvapara Yuga, contrairement à l'âge dans lequel nous vivons, le Kali Yuga, les êtres naissaient dans des familles d'un Varna, un contexte social particulier, avec des qualités bien précises qui sont expliquées dans le chapitre 18 de la Bhagavad Gita. Ce système permettait à tous d'assimiler et de mettre en pratique leurs devoirs prescrits, le Dharma, selon leurs tendances respectives. De cette manière, les êtres pouvaient vivre heureux dans la société et atteindre dans leur existence suivante une vie supérieure, car le Seigneur est satisfait de voir les êtres exécuter leurs devoirs sociaux et spirituels. Or, dans son dialogue avec Ramananda Roy sur le but ultime de l'existence, Sri Chaitanya Mahaprabhu a mentionné que les devoirs religieux, le dharma, dans le contexte du Varnashram, sont externes. En d'autres termes, que ce système n'est pas transcendantal, qu'il est mis en place dans la société en fonction du conditionnement matériel que reçoivent les êtres vivants à cause de leurs actes passés. De plus,
Dans l'âge de Kali, ce système n'est pas correctement suivi. En comparaison, le service de dévotion est transcendantal, au-delà de la nature matérielle. Il ne peut jamais être souillé par la matière. C'est pourquoi Srila Vijayana Chakravarti Thakur dit, ce verset répond à cette question. Ces principes religieux suivis par l'homme, selon les quatre groupes sociaux, Brahmana, Kshatriya, Vaishya et Sudra, qui ne produisent aucune attirance pour les discours sur le Seigneur suprême, sont inutiles. La Brihad Aranyaka Upanishad 1.5 dit Karmana Pitri Loke. En suivant les devoirs du Varnashra, on atteint la planète de Pitri Loka, dans le monde matériel. Accomplir les devoirs du Varnashram ne produit donc pas d'attirance pour le Seigneur. Je vais m'arrêter ici. Om Aganati Minandrasya Ganam Janam Salakaya Chakshurunitam Yana Tasme Sri Gurave Namah Sri Chaitanya Mano Vistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadam Tikam Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Guradvishe Namah Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Vansha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanevyo Vaishnavibhyo namo namah Mukam karoti vacharam upangum langayate giri Yat kripam tamaham vande shri guru vinatara Ok. C'est un verset très intéressant parce qu'il nous met en garde sur ce qui ressemble à de la spiritualité, mais qui n'est pas de la spiritualité. C'est très très intéressant, quand on est des pratiquants, de comprendre qu'est-ce qui est la véritable spiritualité et qu'est-ce qui est, entre guillemets, la fausse spiritualité. Bien que ce ne soit pas complètement faux, mais on va dire la spiritualité qui manque de substance. Et Sutta Goswami explique qu'un devoir prescrit, même s'il est bien et strictement accompli, dans le cadre du Varnashram Dharma, c'est-à-dire, ça c'est pas les devoirs mondains, c'est quand même les devoirs donnés par les Vedas, expliqués par Krishna pour les différentes personnes. Même si un devoir donné par le Seigneur Suprême, s'il ne génère pas l'amour pour l'écoute des gloires transcendantales du Seigneur Krishna, c'est simplement un effort inutile. Il n'a pas dit peu utile, il a dit inutile. En gros, la vie spirituelle a pour but d'amener, de générer l'amour pour l'écoute des gloires transcendantales du Seigneur Krishna, Krishna Katha. Krishna Katha Ruchi. Normalement, l'être doit éveiller une appréciation particulière pour parler de Krishna. Si cette appréciation ne s'éveille pas, ça veut dire que simplement il fait des choses extérieurement, mais la substance manque. En fait, le Shastra explique que quelqu'un est sous l'égide du système de Varnashram Dharma tant qu'il n'a pas éveillé le goût pour entendre parler de Krishna. On appelle Ruchi, c'est pas le goût superficiel, c'est un goût très profond, un goût très prononcé qui est plus fort que tout autre goût. Lorsque quelqu'un a plus de goût pour entendre parler de Krishna ou pour parler de Krishna que pour toute autre chose, on appelle ça Ruchi.
pas juste, ok, on aime bien, j'aime bien entendre parler de Krishna, mais j'aime bien aussi le football, hein, c'est sympa aussi. Quand le ruchi, ça veut dire qu'il ne laisse de place à aucun autre goût. Il n'y a plus qu'un seul goût dans la vie d'une personne, parce que c'est un goût d'une profondeur tellement immense que à quoi bon autre chose. C'est ça le but du service de dévotion. Il doit générer dans le cœur de l'être vivant Ratin, c'est marqué ici. Not padayet yadi ratin. Ut padaya yadi ratin. Ratin, c'est une attachement, une appréciation très très profonde. Shamariva ikevalam. Si cet attachement n'apparaît pas, ça veut dire que c'est juste une perte de temps. Donc c'est très important, la place de Krishna Katha. Malheureusement, dans la société des dévots, souvent, on manque de cultiver assez le Krishna Katha. On parle de Krishna pendant la classe, et après, on oublie Krishna. Mais la société Vaishnava consiste à se rappeler tout le temps de Krishna, non? Et parler constamment de Krishna. Ketanya Sadhari. Et comme le Padma Purana dit, toutes les règles du service de dévotion en fait sont subordonnées à une seule règle, se rappeler toujours de Krishna. Toutes les interdictions sont sous l'égide d'une interdiction de ne jamais oublier Krishna. On ne peut pas dire interdiction, mais on va dire plutôt conseil. Donc le but est de toujours se rappeler de Krishna. La meilleure manière de se rappeler de Krishna s'appelle Kirtana. Il y a différents Kirtan. Lila Kirtan, Guna Kirtan, Rupa Kirtan, Nama Kirtan. Nama Kirtan veut dire chanter le nom de Krishna. Mais Lila Kirtan veut dire parler des divertissements de Krishna. Guna Kirtan veut dire décrire les qualités de Krishna. C'est aussi un Kirtan. Rupa Kirtan, glorifier la forme de Krishna. Toutes ces choses-là sont considérées comme Kirtana. Shukadev Goswami est un Kirtaniya, non? Pourtant, on n'a jamais vu qu'il a pris son harmonium et qu'il a fait... Non? Mais il est un Kirtaniya. Kirtan est un peu plus vaste que la définition qu'on donne aujourd'hui. Kirtan veut dire parler sur Krishna. Et c'est pas différent de parler sur Krishna ou de chanter le nom de Krishna. C'est juste deux différents aspects du Kirtan. Nam Kirtan et Lila Kirtan. Parmi tous les aspects de Kirtan, le Nam Kirtan est considéré comme encore supérieur parmi les autres parce que c'est dans un sens le plus puissant. Nam Kirtan. Mais le Nam Kirtan doit aussi être accompagné de Lila Kirtan, Guna Kirtan. Autrement, on chante le nom de Krishna, mais on ne sait pas qui est Krishna, non? C'est pour ça que les Vaishnavas nous ont donné le Srimad Bhagavatam. Parce que s'il suffisait simplement de chanter le nom de Krishna, on n'aurait pas besoin de lire le Srimad Bhagavatam, non? Souvent, il y a une mauvaise compréhension. Les gens disent oui, il suffit de chanter 16 tours, suivre 4 principes régulateurs, et on retournera au monde spirituel. Parce que Prabhupada dit ça, non? Si vous chantez 16 tours, vous suivez 4 principes toute votre vie, vous pourrez retourner à Krishna. Donc il y a des gens qui disent, donc il suffit de chanter 16 tours et suivre les principes et on retournera au monde spirituel. Mais alors pourquoi Prabhupada a écrit tous ces livres si ça suffisait? Il aurait pu juste nous dire, chanter avec Krishna, suivez les principes. Mais il a écrit aussi tous ces livres-là. Parce que ça veut... C'est inclus dans le fait de chanter le nom de Krishna. Il faut comprendre qu'est-ce que Krishna veut dire. Non. Donc, chanter le nom de Krishna avec la connaissance de qui est Krishna. Bhaktivinoda Thakur explique lorsqu'on chante le nom de Krishna, on doit se souvenir de la personne dont ou de qui nous chantons le nom. Sinon, Krishna est juste un mot. La différence entre le son Krishna et la personne de Krishna se situe dans
le cœur de la personne qui chante. Parce que, dans un sens, le nom de Krishna n'est pas différent de Krishna. Non? N'est-ce pas? Vedatis, Apinadvam, Naminamino. Le nom de Krishna n'est pas différent de Krishna. Malheureusement que c'est pas tout le monde quand ils chantent le nom de Krishna, ils expérimentent que le nom de Krishna n'est pas différent de Krishna. Parce que Krishna veut dire, c'est Krishna, tu vois. Quand tu rencontres Krishna, ça laisse pas un autre, ça laisse pas, comment dire. C'est quelque chose qui remue quand même. On voit dans le Bhagavatam qu'on a Radha Muni, il a eu le darshan, non, de Krishna. Quelle parole il emploie, non, je peux me permettre de relire, c'était très beau. C'est dans celui-là. Je crois, hein. Désolé pour le creux. Voilà. J'y suis. C'était un peu long, mais ça va valoir la peine quand même. À cause de mon intense sentiment de séparation pour lui, on va prendre le verset d'avant. Je pris refuge sous l'ombre douce d'un grand arbre banyan. Je trouvais le lieu solitaire favorable à la contemplation. Aussi commençais-je à méditer sur les pieds de lotus du Seigneur situé en moi, comme les sages me l'avaient enseigné, avec un cœur saturé d'amour pour lui. À cause de mon intense sentiment de séparation pour lui, le Seigneur commença à se révéler doucement dans mon cœur. Je fus submergé par un bonheur indescriptible et des larmes débordantes d'amour coulèrent de mes yeux. Ça, c'est qui n'est pas différent de Krishna. Lorsqu'on rencontre Krishna, les symptômes sont ici décrits. Plongé dans un océan d'extase, les poils de mon corps commençaient à se hérisser. Je ne pouvais plus considérer mon existence séparée du Seigneur. Aussitôt que j'eus ressenti son saint contact dans le tréfonds de mon cœur, lui qui est la fin ultime de tous les êtres, le destructeur de tous les maux et de toutes les afflictions, disparut en me laissant avide de sa vision. Une fois de plus, à ma grande infortune, je fus tristement déçu, comme quelqu'un qui a perdu son trésor obtenu après une longue recherche. Les Vedas disent Abhinadvam Nam Namino. Le saint nom de Krishna n'est pas différent de Krishna. Donc, celui qui chante le saint nom de Krishna, normalement, il devrait expérimenter la même chose que Nara, non? On devrait voir Krishna se révéler doucement dans notre cœur et devenir submergé par un bonheur indescriptible et des larmes débordantes d'amour devraient couler de nos yeux. On devrait se retrouver plongé dans un océan d'extase où les poils se hérisseront sur notre corps. Ça veut dire que le saint nom de Krishna n'est pas différent de Krishna. Mais, c'est pas tout le monde qui expérimente cette réalité. Parce que, comment il s'appelle, je pense, Jagadananda explique à mon cher frère, en fait le nom que tu chantes, ça n'est pas le nom de Krishna. Tu chantes juste les syllabes du nom de Krishna.
Mais tu ne chantes pas vraiment le nom. C'est pas moi qui dis ça, hein, je n'oserais pas vous dire ça. Mais je partage avec vous ce qu'il nous dit. Je me mets dans le même bassin que vous. Il dit, en fait, le problème, c'est juste ça, c'est que ce que tu chantes, ça n'est pas le nom de Krishna. Ça ressemble, ça sonne pareil, Krishna, mais en fait, toi, tu chantes que les voyelles du mot Krishna. Le sens n'est pas là. Dans ton chant, le sens n'est pas là. Pourquoi ? Parce que tu comprends pas bien le mot que tu prononces. Non ? Donc, c'est très important de bien comprendre la profondeur de ces deux syllabes. Ce sont deux syllabes très très profondes, non? Tout l'univers est contenu dans ces deux syllabes, très 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 profondes. Radhani un jour a essayé de marquer le nom de Krishna, elle a marqué que la première lettre, et tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté, plus personne ne pouvait bouger. Et là, quand elle a écrit la première lettre, elle a perçu tellement de choses dans cette lettre-là que elle ne pouvait même plus écrire la deuxième lettre, parce que juste l'expérience de la première lettre, c'est devenu tellement envahissant qu'elle est partie, juste en écrivant la première lettre, parce qu'elle comprend la profondeur de ces deux lettres, non ? Donc, nous devons aussi en même temps apprendre quel est le sens de ce mot Krishna. Sinon, on chante, mais on chante que la carcasse. C'est comme une coquille de noix, vous savez, des fois tu ouvres la noix et dedans, il n'y a rien, il n'y a rien dedans. Oh mince, c'est une coquille de noix, mais il n'y a rien dedans. Ou chez Dharmara, j'appelais les balas blancs. Tu sais, ça fait pouf, pouf, pouf. Ça fait pareil, le même bruit, mais il n'y a rien dedans. Il n'y a rien qui sort. Il disait que le chant comme ça, ça peut être pareil, ça fait comme les balas blancs, ça fait le même bruit que le nom de Krishna, mais à l'intérieur il est creux. Intéressant. Hein? On doit bien comprendre ce tableau-là. Donc il faut comprendre qui est Krishna, quelle est la profondeur de ces décis-là, qui est cette personne. Comme ça, notre chant va devenir chargé d'une signification. C'est-à-dire que ces deux syllabes vont vouloir dire quelque chose pour nous. Plus ces deux syllabes voudront dire quelque chose pour nous, plus le nom de Krishna que nous chanterons deviendra Krishna. C'est ça la différence. Je me rappelle, lorsque j'étais jeune, je chantais le sermon, et j'étais assis à côté d'un grand Vaishnav. Et j'écoutais mon chant, et je me suis dit, finalement, entre ce qu'il chante et ce que je chante, quelle est la différence ? Non, on chante les mêmes syllabes, les mêmes choses. Pourtant, je comprenais qu'évidemment, son expérience et mon expérience étaient différentes. Mais pourtant, extérieurement parlant, pour quelqu'un, tu aurais fait venir un journaliste ou quelqu'un de la rue comme ça, il m'aurait dit oui, il chante exactement la même chose. Non ? Ça fait exactement le même son. Exactement. Pareil, mais ça n'est pas pareil. C'est très différent. On appelle Nama, Namabhas, Sudanam, Premanam. Il y a différents aspects de Nama. Sinon, il n'y aurait pas toutes ces catégories-là, non? Nama a différents aspects selon la profondeur avec laquelle il est chanté. Donc c'est ça la différence. Et pour ça, le Bhagavatam est venu pour nous aider. Et les Vaishnavas sont venus pour nous aider, de nous permettre de bien comprendre qu'est-ce que veut dire Krishna. Donc nous devons aussi nous entretenir de Krishna. Les Vaishnavas doivent s'entretenir de Krishna. On appelle ça Ishta Gosti, s'entretenir de Krishna. Non? Ishta veut dire Krishna, Ishta Dev. Gosti veut dire la réunion, une réunion pour converser. Donc Ishta Gosti. De nos jours, on a changé le nom Ishtagosti comme les réunions, les pratiques, non? C'est vrai, on peut appeler ça aussi Ishtagosti, les réunions pratiques pour pouvoir parler des choses pratiques sur le service de Krishna et tout ça. Mais Ishtagosti veut dire aussi, par exemple, ce que nous faisons là actuellement aussi considéré comme Ishtagosti. De façon formelle, il y a la classe, mais le Krishna Katha ne s'arrête pas juste à la classe.
Les Vaishnavs aussi, ils discutent de Krishna entre eux. Rupa Goswami, Saint Anne Goswami, Gopal Bhatt Goswami, Raghunath Das Goswami, ils se réunissaient tous dans le à Seyakunj, dans le temple de Radha Damodar, et ils parlaient de Krishna comme ça. Bon. C'est pas qu'ils avaient organisé, ok, on fait un programme à 8 heures, où chaque matin il y avait aussi, mais des fois les Vaishnavas ils parlaient aussi de Krishna. Parce que c'est la nature de Vraj. Les habitants de Vraj, eux, ils ont éveillé cet amour pour l'écoute et les gloires transcendantales du Seigneur. Si bien que, en fait, ils ne peuvent pas vivre sans. Pour nous, parler de Krishna, c'est une pratique. Pour eux, parler de Krishna, c'est une. Comment on peut dire ? Nécessité. Une nécessité, on pourrait dire ça comme ça. Je cherchais un terme encore plus fort. Une question de survie, voilà. C'est quelque chose de vital. Ils ne peuvent pas survivre sans parler de Krishna. Ce n'est pas possible pour eux de survivre sans parler de Krishna. C'est ça, Avraj. Avraj, ils ne peuvent pas survivre sans parler de Krishna. Donc, ils sont obligés de parler de Krishna tout le temps. Quand Uddhava est venu visiter Vrindavan, Radharani lui a dit ça. Elle lui a dit, tu sais, on aimerait bien arrêter de parler de ton ami. On aimerait bien oublier ton ami, non? Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas arrêter de parler de lui. On essaye. Depuis qu'il est parti, on essaye de l'oublier. Mais on ne peut pas réussir à l'oublier. Il y a un verset comme ça, je prononce dans le Vidagda Madhava de Rupa Goswami, qui dit « Tous les grands sages de l'univers essayent de se remémorer Krishna, mais ils n'arrivent pas. » Non? Et elle essaye de chasser Krishna de son esprit, mais elle n'y arrive pas. Donc c'est la nature de Vraj. Kirtaniya Sadahali. On appelle ça. Namagane Sadavuchi. Un goût constant pour chanter le nom de Krishna, ou pour parler de Krishna. Donc c'est important de s'entretenir de Krishna, de lire sur Krishna. Petit à petit, ça va donner de la substance à notre chant, non? Au fur et à mesure qu'on découvre qui est Krishna, normalement, on va devenir plus attiré par Krishna. Parce que la nature de Krishna est qu'il est infiniment fascinant. Il possède toutes les qualités et il incarne la personne parfaite que nous recherchons. Prabhupada nous disait ça. Il nous disait que ce dont nous avons besoin en plus profond de nous, c'est Krishna. C'est tout, rien d'autre. Ce que nous recherchons, ce que tous les êtres recherchent, c'est Krishna. Donc plus on le découvre, plus naturellement notre appréciation pour lui va grandir. C'est ça qui est arrivé à Mahabharata. Il était petit, il a écouté les sages. Au fur et à mesure qu'il les écoutait, il dit son attraction pour Krishna a commencé à augmenter. Donc c'est la force de l'écoute sur Krishna, le fait de parler sur Krishna, nous permet de comprendre mieux qui est cette personne dont le nom est composé de ces deux syllabes. Parce que entre aujourd'hui où tu chantes Hare Krishna et il y a 20 ans quand tu chantais Hare Krishna, il y a une différence ou pas? Il y a quand même une différence, non? Qu'est-ce que le mot Krishna voulait dire pour toi il y a 20 ans? Qu'est-ce qu'il veut dire maintenant? Est-ce qu'il y a une différence? Il y a une différence. C'est après une autre substance. Parce qu'il y a 20 années d'écoute qui sont là. Et petit à petit, on s'est rendu compte que... Ça ne veut pas dire que il y a 20 ans, c'était mal. Mais petit à petit, on s'est rendu compte que Krishna était encore plus que ce qu'on pensait. Non? Plus on parle de Krishna, plus on va réaliser qu'en fait, Krishna, il est encore plus que ce qu'on pensait. C'est pour ça, des fois, je dis aux gens, Krishna est Dieu. Oui, c'est vrai. Mais pas que. Krishna est bien plus que Dieu. C'est le début. Krishna est Dieu. D'accord, Krishna est Dieu.
Il a dit dans Bhagavad Gita, non? Mama Parataram Nanyam, il n'existe rien qui me soit supérieur. Mais Krishna est bien plus que ça. Et c'est infini ce que Krishna est. C'est pour ça qu'on peut entendre parler de Krishna. À jamais. Même Maria Shodha, qui est avec Krishna depuis l'éternité, elle continue à entendre parler de Krishna, non? Si Maria Shodha et Rohini commencent à parler de Krishna, elle se perd dans la discussion sur Krishna. Non? Et c'est comme ça. Lorsque Nityananda a rencontré Madhavendra Puri, ils ont commencé à parler de Krishna pendant 7 jours et 7 nuits, comme le Bhagavatam, quelque chose comme ça. Ils ne s'arrêtaient pas jour et nuit, ils parlaient. Parce que à chaque fois qu'on parle de Krishna, on découvre que Krishna est encore plus qu'est-ce qu'on pensait. Même à Vraj, à chaque jour, Krishna devient encore plus qu'est-ce qu'il est. Que dire pour nous? Parce que nous, on est tellement loin de ça, et chaque jour, on peut découvrir tellement sur Krishna. Et à ce moment-là, ça va approfondir notre appréciation de Krishna. Donc, quand on va chanter, c'est le nom de Krishna, les deux syllabes, Krishna, vont prendre une autre substance, petit à petit. On va se dire, ouais, quand même. Il y a quelque chose dans ce monde-là, non? Quand même, Krishna, il est quand même incroyable. Et petit à petit, à un moment donné, à force d'entendre parler de Krishna, on va avoir entendu tellement de choses merveilleuses sur Krishna que quand on va chanter le nom de Krishna, il n'y a que des choses merveilleuses qui vont revenir dans notre mental. Parce qu'on a entendu tellement de choses merveilleuses sur Krishna qui nous ont vraiment fascinés, tu vois? Tu sais, des fois, on entend un truc sur Krishna, on se dit, waouh, ça, c'est incroyable. Non? C'est pour ça qu'on est tous là, ici, aujourd'hui. Si tout le monde est assis là, aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, on a entendu quelque chose sur Krishna, et là, on se dit, ça, c'est incroyable. Il faut que j'en entende plus, non? Si on est venu à la classe ce matin, c'est parce qu'on s'est dit, tiens, il faut que j'en entende un peu plus sur Krishna. Sinon, si c'était tous les jours la même chose, et qu'il n'y avait pas d'approfondissement chaque jour, on s'en lasserait de faire des classes. Si j'allais vous expliquer Napoléon tous les jours, non? Vous n'allez plus finir la classe. Peut-être la première fois, vous écouterez l'histoire, vous direz, ok, peut-être une deuxième fois, mais après, c'est pas possible. Mais quand on parle de Krishna, à chaque jour, on découvre quelque chose de plus merveilleux. Chaque jour, on se dit, ah ouais. Et même après 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on peut rencontrer des choses encore plus merveilleuses. Et plus on parle de Krishna, plus on se rend compte que même les toutes petites choses, toutes simples, qu'on a déjà entendu parler et qu'on connaissait depuis longtemps, c'était en fait bien plus merveilleux que ce qu'on pensait. Parce que nous, on le percevait juste à un petit niveau, non? Et plus le mot Krishna va prendre presque un autre sens pour nous. C'est même plus le même mot. Ça veut dire quelque chose de complètement différent. Moi, mon expérience, c'est ça. Quand j'ai commencé à chanter Hare Krishna, ce que ça voulait dire pour moi, le mot Krishna, et ce que aujourd'hui, le mot Krishna veut dire pour moi, ça n'a rien à voir. C'est deux univers complètement différents. Et quelqu'un dans la rue, vous lui dites Krishna, ça ne lui fait rien, parce que pour lui, le mot Krishna ne veut rien dire. Non? Il va vous dire quoi? Crie quoi? Non? Mais pour un dévot, vous lui dites Krishna, ça veut dire tellement de choses. Il peut parler sur ce mot pendant des jours et des jours et des jours. Et une autre personne, elle va dire crie quoi? Krishna? Krishnu? Krishnu? Ça veut dire quoi? Ça, pour lui, ce mot-là ne veut rien dire. Pourtant, il peut chanter aussi Hare Krishna. Non, on organise des kirtans, on voit, les gens viennent, ils chantent Hare Krishna, comme Gogo Maharaj disait. Quand Prabhupada est arrivé,
Il s'est mis dans le parc, à Tompkins Square Park, il a commencé à faire un kirtan, et il a dit là, tous les hippies sont arrivés, ils ont fait Hare Krishna, Hare Krishna. Mais ils ne comprenaient rien du tout de ce qu'ils disaient. Ils étaient juste là, et répétés. Ils ont vu le vieux sage qui chante Hare Krishna, ils ont dit ok, on va répéter avec lui, non? Hare Krishna. Il comprenait, dit, il comprenait rien du tout de ce qu'ils chantaient. Pourtant, ils ont chanté. Mais, Prabhupada ne faisait pas que chanter, il donnait aussi des classes sur Krishna. Chaque jour, petit à petit, ils ont compris. Donc ça veut dire ça, Krishna. Et petit à petit, après, ils se sont dit, quand ils ont chanté, allez, Krishna, ils ont dit, ça veut dire ça. Ce qu'il nous parlait hier dans la classe, non? Petit à petit, le mot Krishna a pris une autre substance. Et au fur et à mesure de notre vie, on va voir que le mot Krishna va devenir de plus en plus tangible. Il va vouloir dire quelque chose de plus en plus particulier, de plus en plus profond, de plus en plus merveilleux. Par exemple, vous lisez le divertissement de Krishna. Dans le divertissement de Krishna, normalement, il y a Krishna à chaque phrase, ou presque, non? On entend le mot de Krishna. Mais, selon notre expérience du mot Krishna, nous percevons la Krishna Katha. Parce que, pour quelqu'un, Krishna veut dire encore quelque chose de vague. Pour une autre personne, Krishna veut dire cette personne qu'il a vue ce matin, par exemple. Lui, s'il a l'expérience de Krishna, vous comprenez? Pour lui, Krishna veut dire autre chose que celui qui n'a pas l'expérience de Krishna. Pourtant, c'est les mêmes mots. Mais comment il perçoit ce mot, ce que ce mot représente pour lui, est très différent. C'est ça qu'on doit chercher à approfondir. La perception du nom de Krishna. Qu'est-ce que Krishna veut dire pour nous? Quelles sont les qualités ou les souvenirs que le mot Krishna éveille dans notre cœur? Pour ça, il faut entendre parler de Krishna. Srinivata Sakata Krishna Punya Shravana Kirtana Vidyantasto Abhadrani Vidunuti Suritsatam. À force d'entendre parler de Krishna, Krishna apparaît dans notre cœur petit à petit, comme il dit. Il dit, à cause de mon intense sentiment de séparation pour lui, le Seigneur commença à se révéler doucement dans mon cœur. C'est joli, hein? Le mot se révéler doucement dans mon cœur. Ça, c'est la poésie de Maharaj, je pense. Parce que c'est pas marqué doucement dans le sanskrit. Mais de par sa propre expérience, il a ajouté le mot doucement. À se révéler doucement dans mon cœur. Je fus submergé par un bonheur indescriptible. Donc, c'est l'expérience du mot Krishna. Il doit prendre plus de profondeur chez nous. Et plus on va entendre parler de Krishna, plus ça va. Par exemple, un jour on va avoir une réalisation sur Krishna et ça va changer tout le reste. Parce qu'après, quand vous direz Krishna, ça ne sera plus pareil qu'avant. Parce que vous avez perçu quelque chose de supplémentaire sur Krishna. Comprenez? Donc après, tout ce que vous allez lire, ça va prendre une nouvelle dimension. Parce que le mot Krishna a pris une nouvelle dimension pour vous. Dès que vous entendrez parler de Krishna, ça éveillera un souvenir de quelque chose dont vous n'aviez pas l'expérience avant. Maintenant, vous avez l'expérience de Krishna. Une certaine expérience, non? Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais vu la Murti de Krishna, il ne peut pas comprendre. Prabhupada disait, lorsque vous venez et vous regardez les murtis, qu'est-ce que ça fait? Ça laisse une impression dans votre cœur. C'est pas possible de ne pas avoir une impression. Parce que Krishna, il est marquant. Non? Quand on voit les murtis, quand on voit la beauté de Krishna sur l'autel, ça laisse une impression dans notre cœur. Après, vous chantez Hare Krishna, cette impression est là, de la beauté des murtis. Par exemple, mais quelqu'un qui n'a jamais vu les murtis, il n'a pas cette impression-là quand il chante Krishna, peut-être.
n'y a pas cette impression-là. Et donc, au fur et à mesure, notre perception du mot Krishna doit s'approfondir. Comment elle s'approfondit? Par les Krishna Katha. Écouter, parler de Krishna. C'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu expliquait qu'il faut toujours parler de Krishna. Yaradeha Tarikaha Krishna Upadesh, non? Amara Agyaya Guru Hoya Tara Eidesh. Amara Agyaya, ça veut dire, Mahaprabhu a dit au Brahmana Kurma, Kurma Vipra, le Brahmana de Kurma. Il lui a dit, je te donne cet ordre, c'est l'ordre de Mahaprabhu. Il a dit, Yara Deka, quiconque tu vois, Tarikaha, à cette personne-là, parle-lui de Krishna. Tarikaha, Kaha, ça veut dire parler. Krishna Upadesh. Ça, c'est l'ordre de Chaitanya Mahaprabhu. Quiconque tu vois, parle-lui du Krishna. Et ensuite, il le dit, et si tu te demandes comment tu vas faire pour parler du Krishna comme ça à toutes les personnes que tu vois, il dit, ne t'inquiète pas. Fais-le simplement et moi, je serai là avec toi. À l'intérieur de ton cœur, je te donnerai tout l'inspiration nécessaire pour le faire. En faisant ça, du coup, je serai là avec toi. Tu pourras expérimenter ma compagnie. Parce que le Brahmana Kurma, il avait invité Chaitanya Mahaprabhu chez lui. Il a eu la bonne fortune que Mahaprabhu a visité Kurmakshetra où lui habitait. Et il a invité Chaitanya chez lui. C'est quand même une chance, non? Il a cuisiné pour lui, il a lavé ses pieds. D'abord, il a lavé les pieds du Seigneur Chaitanya. Il a récolté l'eau et il a donné à tous les membres de sa famille. Très intelligent, Brahmana. Il leur a dit, buvez. Non? Comment ils disent? Enfin, je ne sais plus. Et ensuite, il a cuisiné pour Chaitanya Mahaprabhu et il est resté avec le Seigneur Chaitanya. Le lendemain, quand Mahaprabhu voulait partir, il a dit, je viens avec toi. Finalement, ça ne m'intéresse pas tellement de rester avec cette femme et ses enfants. J'ai compris, le fait d'être avec toi, ça, j'ai compris quelque chose, ça va, on peut y aller. Je viens avec toi. Mahaprabhu lui a dit, non, tu ne viens pas avec moi. Là, c'était dur pour le Brahmana Kurma. Il avait tout abandonné dans son cœur, il était déjà prêt à partir, il était sûr que Mahaprabhu allait l'accepter joyeusement, non? Il était persuadé que Mahaprabhu allait lui dire « Waouh, incroyable, ok, viens avec moi. » Mais Mahaprabhu lui dit « Non, tu ne pars pas avec moi. Moi, je pars, mais toi, tu restes ici. » Il a dit « Mais, je vais te dire comment faire pour que, même en restant ici, tu sois toujours avec moi. » Yaradeka Tarika Krishna Upadesh. Quiconque tu vois, parle d'ailleurs de Krishna. Ça veut dire aussi ta femme, tes enfants, tes amis. Parle tout le temps de Krishna à tout le monde. Si tu fais ça, il dit, je serai avec toi à chaque instant dans ton cœur, je serai là. Tu pourras expérimenter ma présence. Et je, pas simplement je serai là, mais je vais te donner de plus en plus d'inspiration. C'est-à-dire de l'intérieur de ton cœur, je vais te donner des réalisations. Dans la teneur importée, je suis la Prabhupada Marc. Tel est le secret de la conscience de Krishna. Intéressant, non? Il dit, quiconque suit cet ordre de Chaitanya Mahaprabhu, de toujours parler de Krishna aux êtres, n'est jamais séparé de Krishna, et là où réside une telle personne est Vrindavan. Il vit toujours à Vrindavan, simplement par le fait de parler de Krishna. Il dit, c'est la manière dont un dévot peut demeurer protégé de l'énergie matérielle, Prabhupada m'explique. Par ce fait, de toujours parler de Krishna. Parce qu'il est avec Krishna. Sri Dharmaraj disait, quand vous parlez de Krishna avec quelqu'un, vous le sentez. Vous parlez de Krishna avec un dévot, par exemple, il dit, à un moment donné, on se dit, hé, t'as remarqué, on n'est pas que deux ici. Il y a quelqu'un d'autre avec nous. Parce que Krishna est là. Et Krishna Katha n'est pas différent de Krishna. Donc, lorsqu'on parle de Krishna, c'est un aspect mystique, c'est que Krishna vient aussi. Et pas que Krishna, parce que Krishna veut dire
Enko, Krishna Enko. Vous comprenez Enko? Ça veut dire et compagnie. C'est comme ça les Américains marquent. Krishna Enko. Parce que Krishna, lui, on peut dire qu'il a vraiment toute une compagnie. C'est plus qu'une compagnie musicale, plus qu'une compagnie théâtrale, c'est une compagnie transcendantale. Il a du monde dans sa compagnie de Krishna. Donc, dès que Krishna est là, c'est Krishna en cours. Donc on doit avoir foi que le Krishna Katha n'est pas différent de Krishna. Et plus on parle de Krishna, plus on va découvrir des merveilles sur Krishna. Prabhupada est venu nous donner ça, le Krishna Katha. Si vous regardez, qu'est-ce que Prabhupada faisait toute la journée? Il parlait de Krishna. Non-stop. Banu Maharaj dit, Prabhupada, il respirait le Bhagavatam. À chaque fois qu'il parlait, c'était comme des versets du Bhagavatam. Non-stop, il parlait de Krishna au dévot. Tout le temps. Et quand tout le monde dormait, il traduisait le Bhagavatam. C'est ça, hein? Vaishnava parle toujours de Krishna. Satatam Kirtayantama. Arjuna a dit à Krishna, comment est-ce que je peux reconnaître une telle personne? Non? Comment est-ce qu'il marche? Comment est-ce qu'il parle? Comment est-ce qu'il mange? Il voulait reconnaître l'être libéré que Krishna lui a décrit. Il a dit, comment je fais? Dis-moi comment je fais pour reconnaître une telle personne. Krishna lui dit, Satatam Kirtayantama. À chaque instant, il parle de moi. C'est comme ça que tu peux reconnaître Satatam Kirtayantama. Et puis d'autres choses, mais je ne me rappelle plus le reste du verset. Satatam Kirtayantama. Drida Vrata. Donc voilà. C'est l'importance de Krishna Katha couplée avec les Nam Sankirtan. Et le chant de Saint Nom de Krishna va donner de la. L'expérience aussi de la Krishna Katha, ça va ensemble très, de façon très parallèle. Ils vont ensemble. Shravanam Kirtanam, on dit toujours non, Shravanam Kirtanam. En fait, ils sont trois choses qui vont ensemble. Shravanam Kirtanam, Smaranam. Parce que le fait de parler de Krishna et de chanter le nom de Krishna, d'écouter sur Krishna, va emmener petit à petit Smaranam. C'est-à-dire que dans le mental, toujours va revenir le souvenir de Krishna. Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam. Ce sont les trois pratiques les plus puissantes du service de dévotion. L'écoute, le chant et le souvenir de Krishna. On pourrait n'accomplir que ça. À un niveau supérieur, les Vaishnavas très avancés sont juste absorbés dans Shravanam, Kirtanam. Ok. Merci beaucoup. Yantara Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Nitai Guru.